Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va voir la correction des exercices que vous avez faits le vendredi. Exercice 1. Résous les problèmes suivants. Opération, phrase, réponse. Les 5 brebis du fermier ont eu 2 petits chacune. Combien y a-t-il d'agneaux? Faites un schéma. Donc, la brebis, c'est la femelle du mouton. L'agneau, c'est le petit du mouton. Comme je vous dis toujours, un schéma nous facilite la compréhension du problème. Donc, on va dessiner les brebis. La première brebis, la deuxième, la troisième brebis, la quatrième brebis et la cinquième brebis. Et chaque brebis a eu 2 agneaux. La première a eu 2, la deuxième a eu 2 aussi, la troisième également a eu 2, la quatrième a eu 2 et la cinquième a eu 2. D'accord? Donc, pour connaître le total des agneaux, je dois faire 2 plus 2 plus 2. Plus 2, plus 2, 5 fois. Donc, égal à 10. On est que 5 fois 10, 5 fois 2 égale à 10. D'accord? La phrase réponse est « Il y a 10 agneaux ». On passe à petit B. Hamza avait 145 poules. Il en a vendu 96. Combien lui en reste-t-il? Donc ici, je vais vous poser une question. Lorsque Hamza a vendu les poules, est-ce que le nombre de poules a diminué ou bien augmenté? Très bien, le nombre a diminué. Donc pour savoir le reste, je dois faire une soustraction. Donc je pose l'opération. Unité, dizaine, centaine. Chaque chiffre dans un carreau. Un chiffre ne doit pas dépasser 2 interlignes. Et on commence par les unités. 5 moins 6, c'est impossible. Je donne une dizaine à 5 et je la rends à 9 automatiquement. D'accord? Et 15 moins 6 égale à combien? Je mets 6 dans ma tête pour aller à 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais trouver 9. Je compte avec mes doigts. Je passe aux dizaines. 4 moins 10. C'est encore impossible. Je dois donner une dizaine à 4 et rendre la retenue à 0. Alors 14 moins 10, ça fait 4. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, le résultat est 49. Il lui reste 49 poules. Petit C. Dans une bibliothèque, il y a 325 histoires en arabe, 154 histoires en français et 96 histoires en anglais. Combien y a-t-il d'histoires en tout? Donc, pour connaître le total, je dois faire une addition. Donc, toujours, unité, dizaine, centaine. Chaque chiffre dans un carreau, un chiffre ne doit pas dépasser 2 interlignes. Et on commence par les unités. Ici, j'ai 5 plus 4 plus 6. Toujours, je dois utiliser, si c'est possible, les compléments à 10. Ici, je remarque que 4 est le complément à 10 de 6. Donc, 6 plus 4 égale à 10. Et 10 plus 5, ça fait 15. J'écris 5 et je retiens 1. 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 5, ça fait 8. 8 plus 9. Pour calculer 8 plus 9, ici, j'utilise les doubles. Je sais que 8 plus 8 égale à 16. Donc, 16 plus 1, ça fait 17. Donc, 8 plus 9, ça fait 17. J'écris 7 et je retiens 1. 1 plus 3, c'est 4, plus 1, c'est 5, 575. Donc, la phrase réponse, il y a 575 histoires.